Léa Salamé et Laurent Ruquier sont-ils en mauvais termes? À en croire la remarque du présentateur de France 2, il se pourrait bien qu'entre les deux, le torchon brûle. Laurent Ruquier profite désormais de son samedi soir. Alors que pendant de nombreuses années, il était aux commandes d'On n'est pas couché ou encore On est en direct, l'animateur a choisi de ne plus continuer son émission sur France 2. C'est Léa Salamé qui a ainsi pris les rênes d'un tout nouveau programme, intitulé Quelle époque, dans lequel, Christophe de Chavannes tient une chronique. Mais voilà qu'une petite remarque lancée en direct sur RTL dans les grosses têtes a quelque peu fait tiquer les auditeurs. En effet, Laurent Ruquier devait faire deviner l'invité mystère du jour, Valérie Trierweiler lance, Christophe de Chavannes. Le compagnon des Hugo Manos réplique avec ironie, le nouveau partenaire de Léa Salamé. On a hâte de voir ce duo. Une phrase qui traduit de l'animosité entre Laurent Ruquier et Léa Salamé. Pourtant le présentateur de France 2 avait fait savoir qu'il serait devant sa télévision pour la première de la journaliste de France Inter, dans le premier épisode de Quelle époque sera diffusé le 24 septembre prochain, je ne vais pas mentir, sûrement que je la regarderai. Il y a des chances que je regarde, par curiosité, confia-t-il. L'occasion aussi pour lui d'évoquer sa relation avec son ancienne acolyte, c'est ma décision, j'aurais pu être, le samedi soir, la saison prochaine en duo avec Léa Salamé, mais je ne m'amusais plus. C'est bien aussi de faire autre chose, Léa Salamé et Laurent Ruquier ne se sont plus reparlés depuis le mois de juillet. Pourtant, selon Léa Salamé, les échanges avec Laurent Ruquier ont subitement été stoppés depuis peu, nous ne nous sommes pas reparlés depuis la conférence de France Télévisions début juillet. Je pense que je vais laisser passer un peu de temps, et je lui écrirai après. Je ne remplace pas Laurent Ruquier, il est irremplaçable. On a essayé de lui faire changer Davis, mais en vain, a-t-elle précisé.